Il y a environ un an, avec mon épouse, nous avons offert des appareils photo numériques à nos filles, Anna et Louise. Pas longtemps après, connaissant mes filles, à mon avis, c'était le jour d'après, ils nous ont demandé où est mon téléphone. Téléphone. Elles sont jeunes, elles n'ont pas de téléphone. Mais finalement, nous avons réalisé que ce n'était pas des téléphones qu'elles cherchaient, c'était les appareils photo numériques. Parce que pour mes filles, quelque chose qu'on peut porter dans la main, qui permet de prendre des photos, regarder des photos, mais maman et papa appellent ça un téléphone, c'est un téléphone. Et là, j'ai pris un coup de vieux. Si je regarde les technologies, les évolutions technologiques qui sont arrivées dans ma vie à moi, il y a certaines qui ont été plus importantes que d'autres. On peut parler des révolutions technologiques. Les deux qui ont vraiment marqué ma vie à moi, c'est l'arrivée de l'Internet et les téléphones portables, les smartphones. Ces choses n'existaient même pas quand moi je suis né. Et si on regarde jusqu'à quel point ça a bouleversé nos vies, c'est incroyable. Donc, j'ai toujours été passionné par ces révolutions technologiques. Le fait de tourner la page, le fait d'aller vers l'inconnu. Plein de possibilités qui s'ouvrent, plein de nouvelles choses qu'on peut faire, on peut créer. Je suis toujours baigné là-dedans, je suis toujours travaillé sur les nouvelles technologies. J'ai travaillé très tôt dans le milieu de l'Internet, très tôt dans le milieu des applications pour le téléphone portable, avant qu'on parlait de smartphone. Et du coup, ça fait poser la question, quelle sera la prochaine révolution technologique? La révolution qui va même être une révolution pour mes enfants à moi, finalement, enfin, mais qui ne va peut-être pas être une révolution pour mes petits-enfants. Ça va être oui, mais bien sûr. Et je vais encore une fois passer pour un vieux. Dans l'année 2008, le nombre d'objets connectés à l'Internet a dépassé le nombre de personnes sur Terre. Plus d'objets connectés à l'Internet que de personnes. Dans l'année 2020, il y aura plus de 50 milliards d'objets connectés à l'Internet. Entre nous, on ne sait pas si ça va être 50 ou 100, mais bon, beaucoup, beaucoup d'objets connectés à l'Internet. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de l'Internet, des objets, les objets connectés. Finalement, les médias aiment bien aussi, un peu comme moi, on tourne la page, on va vers quelque chose de nouveau. Mais entre nous, ils n'ont pas vraiment compris vers où on va. Moi, je ne le sais pas à 100%, mais je pense avoir une bonne idée vu que je travaille là-dedans. Donc, 50 milliards d'objets. Qu'est-ce qu'ils vont faire à tous ces objets? Mais premièrement, vous savez sûrement tous, ou quasiment tous, des téléphones portables, une bonne partie de vous, des smartphones. Il existe, je ne sais pas combien, on a, mais il existe une multitude d'applications. Comme on dit, il y a une application pour tout. On n'utilise pas forcément toutes les applications, surtout on installe beaucoup, on utilise très peu, mais il existe énormément d'applications. Certaines sont vraiment très puissantes et super intéressantes. Et certaines d'entre eux, pour moi, apportent vraiment quelque chose de très bien. Par contre, le téléphone, mon téléphone portable, ce n'est pas forcément le meilleur format pour avoir ce type de service. Exemple, j'aime bien courir. Je fais des sorties footing. Il existe des applications qui me permettent de connaître la vitesse avec laquelle je cours, qui me permettent de comparer ça avec mes résultats précédents et du coup, me donner une petite signe pour dire « Ah, là, t'es quand même pas aussi rapide que d'habitude. » Et donc, ça me pousse encore plus. Je peux même courir avec des amis, pas virtuels, mais des amis qui ne sont pas à côté de moi. J'ai pas mal d'amis dans d'autres pays. Et je lance des concours avec eux. C'est super passionnant. J'ai un ami à San Francisco, un ami en Belgique, un ami à Copenhague, avec qui nous avons fait pas mal de concours dernièrement. Et c'est super motivant. Par contre, avoir ça sur le bras, j'ai jamais compris les personnes qui veulent courir avec leur téléphone. C'est lourd. Et honnêtement, le plus compliqué pour moi, c'est ça. Honnêtement, je ne comprends pas. C'est vraiment pas fait pour ça. C'est génial comme fonctionnalité. Mais un téléphone, je ne peux pas. Je sais que c'est facile de faire des applications mobiles, mais ce n'est pas le bon support. Donc là, maintenant, vous allez commencer à voir arriver des applications, des objets
qui vont reprendre un peu des fonctionnalités que vous connaissez déjà, mais sur des meilleurs supports, avec une meilleure expérience utilisateur. Donc plus d'accidents parce que quelqu'un est en train de regarder son bras. Autre exemple, il existe des applications qui permettent d'analyser son sommeil. La première fois que j'ai essayé ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'était, on sait tous que comme le sport est important, le sommeil est important. Et on n'a pas vraiment une visibilité sur ça. Bon, le matin, oui, ok. On sait, est-ce qu'on a besoin de 5 tasses de café ou est-ce que 1 ou 2 peut le faire. Mais vraiment avoir une visibilité, et encore plus que ça, après avoir analysé son sommeil sur une longue période et qu'on en a des données de beaucoup de personnes, on peut donner des conseils. Parce qu'on peut commencer à déduire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer son sommeil. Donc, très intéressant comme application. Mais encore une fois, je suis désolé, mais le téléphone, je ne veux pas dormir avec mon téléphone. J'ai essayé. Hein. Et c'est pas que le téléphone m'embête comme ça, mais il faut le mettre dans un endroit spécifique dans le lit, il faut le laisser brancher parce que ça consomme beaucoup d'énergie, etc. Et honnêtement, on n'a pas envie de faire ça. Quand on est fatigué, on a envie d'aller au lit. Maintenant, on peut avoir ces fonctionnalités sur d'autres types de supports. Moi, j'utilise un bracelet que je porte nuit et jour. Et ça me donne les mêmes fonctionnalités. En plus, vu que je le porte tout le temps, ça me dit aussi, si j'ai suffisamment bougé pendant la journée, ça me donne des conseils. Ça vibre même quand je dois aller au lit. Une demi-heure avant, ça me dit, ah, c'est peut-être l'heure. Bon, j'écoute pas tout le temps, hein, mais bon, l'idée est là. Et ça me donne des conseils pour dire qu'il faut plus boucher ou pour mieux dormir, il faut mieux être dans une pièce qui est complètement noire. Et bon, moi, je viens du Danemark. Et au Danemark, on a rarement des rideaux, donc j'écoute pas vraiment ça. Mais il y a des super conseils que j'ai commencé à appliquer. Et c'est très pertinent parce que ça devient très, très personnalisé. Et ça se base pas que sur les données que moi, j'ai transmises, mais sur toutes les données qu'ils ont eues de tous les utilisateurs. Bon, après, on ne peut pas tout faire avec des smartphones. Avec mon épouse, tous les ans, tous les printemps, on achète des plantes pour les terrasses. Tous les ans, on fait ça. Parce qu'on n'est vraiment pas fait pour gérer des plantes. On fait au mieux. Je ne sais pas combien de rosiers grimpantes on a acheté dans l'historique, mais ça ne grimpe pas dans une saison, donc c'est très, très pénible et très frustrant. Parce que tous les ans, on les remplace et on réessaye. Donc, avec un téléphone, on ne peut pas vraiment résoudre ça. Oui, on peut aller chercher des conseils, mais ce n'est pas vraiment des conseils personnalisés, donc c'est assez générique. Et je ne trouve jamais le rosier que j'ai acheté. Et sur Internet, ils ne savent pas si j'ai placé la plante au soleil ou pas, etc. Mais maintenant, on peut mettre des objets, des tout petits objets, dans le pot de fleurs, voire même connecter le pot de fleurs. Et ça peut monter des informations pour dire, ah, ça peut m'envoyer un texto pour dire, Thomas, il faut penser à arroser la plante. Ça peut me dire hein, si le terre que j'ai mis, c'est le bon ou pas. Moi, j'achète toujours le générique parce que je trouve que des terres spécialisées, ça me fait peur, ça a l'air super compliqué. Mais bon, ça peut me donner tous ces conseils-là. Et ça peut, du coup, faire qu'on évite d'acheter des plantes tous les ans. D'autres exemples, on commence à voir arriver des colliers pour chiens et pour chats. Au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, c'est un petit gadget. Aux États-Unis, il y a 80 millions de chiens. Il y a plus de chiens que d'enfants. Et ce qui est intéressant, donc moi, j'ai un chat, je n'ai pas de chien, mais quand on a un animal, ce qui peut être intéressant, c'est de détecter des maladies ou des problèmes. Et ce qui arrive souvent, c'est que les personnes voient que d'un coup, le niveau d'activité de l'animal baisse dans une façon radicale. En fait, dans la vie de tous les jours, on ne le remarque pas forcément. Parce qu'un animal, moi j'ai un chat et le chat dort tout le temps, donc je ne sais pas trop le niveau d'activité. Mais bon, bref, si on a un collier, le collier peut le détecter. Moi je ne peux pas, mais le collier peut le faire parce que ça peut être assez précis. Il peut me dire, ah, il a peut-être un souci et du coup on peut amener l'animal au vétérinaire. Il y a aussi la fonctionnalité qui est de localiser son chat ou son chien. Quand on le perd de vue, mais on peut le retrouver parce que ça peut transmettre la localisation de l'animal. On peut éviter de mettre les affiches dans les rues sur tous les arbres avec une super jolie photo de son chat, etc. Il y a aussi
Un gros problème pour les personnes âgées, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de personnes âgées qui tombent un jour ou un autre sur un escalier ou ailleurs. Et si la personne âgée n'a pas un bouton de détresse quelque part à proximité, ça peut être une situation assez grave. Maintenant, on voit arriver des bracelets et d'autres types d'objets que la personne âgée peut porter et qui peut détecter la chute d'une personne et du coup avertir les proches afin qu'on puisse intervenir à temps. On fait la connectivité, le fait de connecter des objets, c'est rien de nouveau. Ça fait très longtemps qu'on fait ça, pas que pour les téléphones portables, ça fait longtemps. Donc pourquoi est-ce que les médias parlent tellement de l'Internet des objets aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on m'a gentiment invité à venir ici vous parler de ce sujet-là? C'est entre autres parce que le matériel, donc ce qu'il faut utiliser pour construire des objets connectés, a baissé radicalement en prix. Pour créer un détecteur de chute, on utilise un petit bout de matériel qu'on appelle un accéléromètre. Accéléromètre. Un accéléromètre coûte aujourd'hui 90 fois moins cher qu'il y a 4 ans. 90 fois moins cher qu'il y a 4 ans. Et ça, c'est pareil pour tout ce qui est matériel. Donc aujourd'hui, on peut créer tous ces objets à un coût très très bas. Donc, ça devient accessible, même aux startups et à tout le monde. La connectivité a aussi vu des évolutions. Maintenant, on peut avoir la connectivité, on peut transmettre des informations à très bas coût et avec très peu de consommation d'énergie. Parce que si on doit rechercher le collier de son animal, le détecteur de chute d'une personne âgée tous les jours, ça ne va jamais fonctionner. Mais maintenant, on peut. Dans quelques années, on va être capable de transmettre des informations d'un objet sans besoin de piles. Nous travaillons actuellement sur des solutions qui permettent de collecter, récolter de l'énergie, de la lumière, de mouvement. On ouvre une porte, ça génère suffisamment d'énergie pour transmettre un message. Un animal qui bouge, surtout un chien un peu actif, ça génère plein d'énergie. On peut utiliser ça. Donc c'est pour ça qu'on parle tellement de l'Internet des objets aujourd'hui. C'est que c'est extrêmement accessible. Tout le monde peut créer des objets connectés. Et ça n'a jamais été aussi facile. Après, quelque chose qui est important à comprendre, c'est que j'ai dit que je parle d'objets connectés. Mais en réalité, quand on parle de 50 milliards d'objets, il n'y aura pas 50 milliards d'objets parce que les objets sont tellement intéressants. Il y aura 50 milliards d'objets ou plus parce que les informations qu'on peut transmettre depuis ces objets portent tellement de valeur. Quand on a énormément de données, on peut prédire des événements, des maladies. Si on avait toutes les données de tous les diabètes et on savait comment ils ont ajusté les médicaments et quel impact ça a eu, on va pouvoir beaucoup mieux aider ces personnes-là. Donc globalement, le plus de données on a, le plus intelligent on devient. Pour donner un exemple concret, dans toutes les grandes villes du monde, entre 20 et 30% de la circulation est due à la recherche d'une place de parking disponible. 20 à 30%. Vous connaissez tous la situation. On va à un rendez-vous, à une conférence TED, où on rentre du travail, et on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on cherche une place, c'est frustrant, énervant. Il y a la pollution qui va avec. Donc si on peut faire quelque chose pour réduire ces 20 à 30%, ça peut vraiment avoir un impact énorme sur nos vies. Mais il se trouve que c'est possible. Parce que maintenant qu'on peut déployer des objets connectés en masse, vraiment pas cher, on peut avoir ce qu'on appelle la poussière intelligente. Où en réalité, ce n'est pas les objets qui sont intéressants, c'est l'information que ça remonte. Si toutes les places de parking dans les rues publiques de Toulouse étaient connectées, toutes les places, et que toutes les places pouvaient tout simplement dire « je suis disponible, je ne suis pas disponible », vraiment simple comme connectivité, mais la valeur qu'il y a, à partir du moment où on a cette information pour toutes les places de parking, ça veut dire qu'on peut nous guider directement, on arrive vers une place de parking disponible. On ne peut pas réserver la place parce que c'est dans les rues publiques, mais grâce à toutes ces données-là et à l'historique, on va pouvoir prédire quelle place sera disponible quand vous allez arriver là,
ou avec au moins 95% de sécurité. On peut guider la personne vers une rue où il y a au moins 5 places qu'on pense va être disponible à 95%. Comme ça, on est quasiment 100% sûr qu'on va trouver une place. Bon, c'était que quelques exemples pour vraiment illustrer que ce qui est important quand on parle des objets connectés, c'est les informations que ça peut remonter. Pas mal, hein? Quand j'étais enfant, j'étais passionné par Superman. Vraiment, hein? Vraiment. Et c'était pas seulement parce qu'il finissait avec la plus belle femme, ça c'était pas mal aussi, et qu'il était très fort, ça c'était pas mal aussi, mais j'ai trouvé excitant le fait qu'il avait des informations que nous, on n'a pas. Il avait cette capacité à regarder au travers des murs, d'entendre quelqu'un qui était en détresse loin de lui. En fait, son cerveau était construit comme les nôtres. Deux hémisphères, l'hémisphère droit, qui récolte des données, des informations, de tous les capteurs, tous les cinq sens, qui transfère ces données au travers des fibres, le corps calleux, vers l'hémisphère gauche. Et l'hémisphère gauche va donc mâcher ces données-là, les mettre dans un contexte et réagir ou pas par rapport à ces nouvelles informations. Mais pour moi, c'est ça. L'Internet des objets ou les objets connectés, c'est ça. Non seulement est-ce qu'on va pouvoir prendre des décisions à partir des informations qu'on récolte au travers de nos cinq sens, de nos capteurs, mais on va pouvoir prendre des meilleures décisions parce qu'on aura également plein d'autres types d'informations sur le monde autour de nous. Donc les objets connectés vont nous donner ce sixième sens. Merci.